Comme chaque jour, Maxime Bouet enfile sa tenue de travail et s'élance pour un nouveau tour. Une routine sur les routes de la région qui est aussi la sienne. Bah, la routine d'un coureur cycliste professionnel, c'est pas la même que celle d'un sportif qui travaille en équipe, comme le foot ou le rugby. Nous, on habite là où on veut. On est seul. Donc en fait, nos entraîneurs nous envoient des plans d'entraînement à réaliser. Et la plupart du temps, c'est seul. Donc tous les matins, on est obligé d'avoir le mental pour y aller, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Et c'est sûr que ça demande une grosse force mentale, je pense, pour faire ce travail. Et Maxime passe beaucoup de temps sur la route. 30 000 km par an d'entraînement, 70 jours de course par saison. Depuis qu'il est professionnel, c'est plusieurs tours du monde, dont 9 Tours de France, 2 d'Italie et 4 d'Espagne. Mais la boucle qu'il préfère est celle qui est au pied de chez lui. Est-ce qu'on habite la région idéale pour faire du vélo ? On habite la région idéale, oui, je pense. De part déjà grâce au climat et aussi le nombre de choix de routes que l'on a, les montagnes. Beaucoup, quand je dis que j'habite la région marseillaise, beaucoup pensent que c'est tout plat ici, alors que non, il y a vraiment beaucoup de dénivelé. Aujourd'hui, une sortie sur mesure taillée par un entraîneur connecté. Coup de pédale, vitesse, nutrition, tout est contrôlé et analysé. Une fois l'entraînement terminé, on arrête notre compteur. Le compteur envoie des données sur une application, nous, Training Peaks. Et suite à ça, donc, l'entraîneur peut analyser voilà, toutes les données. Aux portes de Marseille, sur un mur de chez lui, 16 maillots pour 16 saisons dans l'élite. À 36 ans, le coureur exemplaire entame sa dernière course contre la montre et le temps qui passe. Il n'y a plus beaucoup de place sur le mur derrière moi pour accrocher encore quelques maillots. Je pense que ouais, l'histoire va bientôt se terminer. Soit tu dures, soit tu as des très gros résultats et quelque part, j'ai duré, donc je suis satisfait. C'est sûr, Maxime Bouet mouillera le maillot jusqu'au bout, avant une reconversion sûrement, aux côtés des jeunes coureurs.